Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Talking man with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that would bring you down. Let's join on the corner where the big boys play. Bonsoir. 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 Il y a même des gens là-bas. Bonsoir. Bon, j'ai que 10 minutes, mais c'est vrai que j'aime bien prendre le temps de faire connaissance avec le public avant de démarrer. Hein. Oh, vous êtes bien. Vous êtes bien. Si c'est vrai, il faut le dire. Waouh. Non, c'est vrai. En même temps, faut dire que c'est surtout la salle qui vous met en valeur. Hein. Le lieu est sympa. Hein. Ah ouais, vraiment super. Hein. Y a une coulisse ici. Il y en a une autre de l'autre côté. Ah. Et peut-être que même ici aussi. Ah non, il n'y a pas de sortie là. Bon, je vais peut-être pas sortir par là du coup à la fin. Sûrement pas même. Mais je sais pas, j'ai pas encore décidé. On verra le lâcher prise. Moi j'ai pas l'habitude parce que je joue dans des caves. Ouais, alors c'est pour ça que je suis assez impressionnée quoi. Bon, les caves c'est comme le café-théâtre, mais en pire. Ouais, on a l'opéra. Le théâtre, le café-théâtre, les caves et les égouts. C'est vrai que je me suis longuement interrogée sur les raisons qui me poussent à monter sur scène. Certains le font par besoin de reconnaissance. Ils ont été méprisés dans leur enfance et tentent une revanche sur la vie en se faisant applaudir, souvent dans des caves. Ou comme ce soir au théâtre, moi personnellement je le fais par amour pour les autres, pardon de moi-même, pour vous apporter du bonheur et donner un sens à votre vie. Ma plus belle récompense, c'est quand à la fin du spectacle, le public vient me voir pour me dire « Alexandra, merci ». Grâce à toi, je sais enfin qui je suis. Je leur réponds, waouh, c'est génial parce que moi, je ne sais pas du tout qui tu es. Mais je suis contente que tu te sois enfin trouvée. Donc, pour vous apporter du bonheur et donner un sens à votre vie, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient à cœur. Un sujet que je trouve des plus excitants. Moi. Vous pouvez applaudir. Merci. Dis donc, toi, je te sens pas hyper emballée par le sujet. Petit conseil, apprends à recevoir ce qu'on te donne. Hein ? Sois dans l'acceptation, d'accord ? Tu prends ce qu'on te donne. Tu prends, d'accord ? Tu verras. Tu verras, je t'assure, tu verras. Et ce qui est valable pour lui est valable pour tout le monde. Hein ? Alors, je vais commencer par le début. Je viens du Chili. Alors, pour ceux qui manquent de culture générale, le Chili, c'est en Amérique latine, d'accord ? Donc, vous avez sous les yeux un spécimen tout à fait étonnant, mi-indienne,
mi bombe latine. Tu me diras merci à la sortie du spectacle, d'accord? Je pense que je me suis assez bien intégrée dans la société française. J'aime le bon vin, le bon fromage, les bons antidépresseurs aussi. Et comment vous dire, ça va? Ça va les jeunes? On va faire du social? Ça va la jeunesse? Oui? Bon, sympa la coupe. Super. Tu sais que là, je peux te tailler, vraiment, et il n'y a personne ici qui va venir t'aider. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. N'essaye pas de partir discrètement non plus, hein, parce que c'est mal barré. Bon. Ah oui, ma citation préférée, c'est celle de Che Guevara, qui a dit... Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est fort. Ma deuxième citation préférée, c'est celle de Nabila, qui a dit « Oui, mais quand on meurt, après, c'est foutu. » C'est fort. Incroyable. Mes parents étaient très militants. Ils ont lutté contre Pinochet, hein, le dictateur chilien. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu une enfance un peu particulière. On peut dire ça comme ça. Oui, parce que moi, le soir, pour m'endormir, ma mère, elle me chantait pas une berceuse. Toi, ta mère, elle te chantait une berceuse, elle te chantait une chanson, par exemple. Hein ? Des chants révolutionnaires. Ah ouais, donc pour toi aussi c'est compliqué. Ouais. Moi, ma mère, par exemple, elle me chantait pour m'endormir le soir El pueblo unido jamás será vencido. Bonne nuit, ma chérie. Alors, l'équivalent ici, c'est Macron démission, Macron démission, Macron. Allez, Alexandra, chante avec moi. Macron démission, Macron démission. Bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves avec Che Guevara et Fidel Castro sur le chemin de la liberté. On le saura, et Mélenchon in soumission. Philippe Poutou, ma chérie. Je suis devenue un peu militante par la force des choses, hein, faut le dire. Alors, je mène mes petits combats. Ouais, y a un combat qui me tient particulièrement à cœur, c'est la famine à travers le monde. Je suis contre. Vraiment, je rejette l'idée. Alors, pour lutter contre la famine à travers le monde, je me suis dit, tiens, il faut que t'achètes un petit carnet pour noter toutes tes petites idées. Ah bah, il faut bien commencer. Alors je vais à Monoprix. Mais tu vois, je vais à Monoprix. Ah oui, je suis comme ça, moi. Ah, mais quand je décide de mener ma lutte, j'y vais, quoi. Monoprix, direction Monoprix. Alors bon, je prends ma trottinette. Je vais à Monoprix. Je vais à Monoprix, comme ça, en trottinette. Je vais à Monoprix. J'arrive à Monoprix, toi. J'arrive à Monoprix, déterminée. Ah ouais, elle est comme ça, la fille. Bon, je saute de ma trottinette. Je creuse un trou pour mettre ma trottinette à l'intérieur. Je creuse un trou, tu sais pas pourquoi, mais j'ai creusé un trou pour mettre ma trottinette à l'intérieur. Je creuse un trou de mes mains, là, tu vois. Le trou, je creuse le trou de mes mains. Parce que j'ai fait du théâtre. Je voudrais que ça se voit. Je creuse comme ça, je rentre à Monoprix. Je rentre à Monoprix comme ça, je cherche la vendeuse. Oui, parce qu'en plus j'ai 10 minutes à faire. Je cherche la vendeuse. Ah,
Je vois la vendeuse, j'interpelle la vendeuse. Elle comprend tout de suite l'urgence de la situation, quoi. Et je lui dis, je cherche un cahier pour sauver l'humanité. Quel cahier me conseillez-vous? Est-ce que, à votre avis, je dois prendre un cahier avec des petits ou des grands carreaux? Et là, elle me répond aux grands mots, les grands carreaux. T'étais là? Super compétente, la vente. Mais c'est toi, Claire Fontaine, diplômée d'Oxford. Elle a fait l'ENA du cahier, la femme. Super compétente. Tu peux te lever pour qu'on te voie. Lève-toi. Oui, toi, vois. Oui. Claire Fontaine. Super. Tu me suis en fait depuis le Monoprix. C'est dingue. Vraiment contente de te voir. Merci, tu peux te rasseoir. C'est marrant parce que j'ai une amie qui est un peu comme moi, exceptionnelle, dans la générosité, le partage, l'échange, vous voyez. C'est marrant parce que c'est toujours quand on prend le métro qu'elle veut me parler de ses histoires de cul. T'as déjà sucé un mec sur une aire d'autoroute? Sur une aire d'autoroute? Alors moi, je réfléchis. Là, non, parce que bon, bah, c'était pas vraiment une aire d'autoroute, mais c'était juste en disant que c'était dans la voiture. Là, ah oui, c'était avec le mec de, ah oui, de Monoprix, donc vraiment une aire d'autoroute non plus. On peut pas dire que vraiment c'était... Non. Et toi? Ouais. Mon cousin. Mais c'était pas top, hein. Alors là, moi je lui montre que je compatis dans le métro avec la vieille dame à côté et la petite fille de 8 ans. C'est dommage. Et récemment, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Oui, pour trouver des plans cul. Dis pas, j'entends pas. J'ai pas entendu. Tu peux, bah si tu veux, dis-moi. C'est une. Il met l'ambiance, c'est bien. Il faut les encourager, ces jeunes. Oui, parce que c'est peut-être des futurs rois de l'humour. On sait jamais, hein. C'est bien. C'est bien. On se voit après si tu veux. Je te fais un autographe et tout. Donc, mon amie, qui est un peu comme moi, quelqu'un d'exceptionnel, donc elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Voilà, pour trouver des plans. hein? Chacun son truc. Ouais. Et un jour, elle m'appelle, elle avait eu une peine de cul. Bah, une peine de cul, bouchez-vous les oreilles. C'est comme une peine de cœur, mais pour les plans cul. Alors moi, je lui dis, vas-y, dis-moi tout. Je suis à l'écoute, je l'écoute. Je suis dans le partage et l'échange. Je lui dis, mais vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout ce que t'as sur le cul. Elle me dit... En fait, elle avait rencontré quelqu'un, un mec... qui cherchait une relation stable et sérieuse, un mec bien. Tu te rends compte? Il m'a manipulé, il m'a fait croire qu'il avait une femme, deux enfants. En fait, j'apprends quoi? J'apprends quoi? Le mec, en fait, il est en instance de divorce, hein? Et il veut me combler d'amour jusqu'à la fin de mes jours, l'enculé! Dire que je lui ai ouvert mon cul, mon cœur! Mon cœur, pardon, et je pense que je vais m'arrêter là, parce que ce sketch devient vulgaire. Et pour ceux qui le pensent vraiment, j'ai envie de vous dire oui, mais la vie est vulgaire. Merci beaucoup.